Voici le résultat du scrutin qui porte le numéro 39 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote. Nombre de votants : 337. Nombre de suffrages exprimés : 286. Pour l'adoption : 185. Contre : 101. Le Sénat a donc adopté le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Avant de vous céder la parole, monsieur le ministre, je voudrais remercier Catherine Deroche, la présidente de notre commission des affaires sociales. Madame le rapporteur général, pour qui c'était son premier rapport général. En saluant les rapports précédents qui ont été présenté par Jean-Marie Vanerenberg, et saluer l'ensemble des rapporteurs des branches.